Alors, le thème que je vais aborder dans la conférence est celui de la relation entre notre alimentation et le réchauffement climatique. À savoir que fabriquer des aliments, ça se traduit quand même par des émissions de gaz à effet de serre, et la question devient un petit peu de savoir, dans notre alimentation, comment on pourrait, à travers cette alimentation, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et on verra parfois, y compris, on peut séquestrer du carbone dans les sols. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment l'industrie agroalimentaire, c'est aussi quand nous préparons nos plats, c'est aussi la réfrigération, mais ça, c'est les aspects, je dirais, mineurs. Pour l'essentiel, les émissions de gaz à effet de serre dans notre alimentation, c'est l'agriculture elle-même, à hauteur de 57%, et le reste, c'est le transport, de l'ordre de 15%. Et dans les 15%, assez curieusement, les gens ne le savent pas, mais c'est le transport quand les gens prennent leur voiture pour aller dans un supermarché, déposer leur voiture sur un parking, faire leurs courses et retourner à la maison. Et donc là, effectivement, on pourrait commencer à dire, si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, plus encore que le transport des yaourts, des marchandises qui vont d'un endroit à l'autre de la France ou de l'Europe, c'est déjà réhabiliter le commerce urbain et éviter ce déplacement du centre-ville vers la banlieue avec sa voiture pour ensuite ne transporter qu'un cabas de nourriture. Après, c'est effectivement dans l'agriculture qu'on peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à séquestrer du carbone. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est réduire les émissions de gaz carbonique. Ça, c'est éviter les labours et c'est éviter la déforestation. Alors en France, il y a très peu de déforestation, mais quand nous mangeons des poulets qui sont élevés avec du maïs et du soja brésilien et qu'il a fallu déforester la forêt amazonienne pour nourrir nos poulets, nous contribuons malgré tout à la déforestation, même si ça se passe dans les pays du Sud, par exemple Argentine et Brésil. Le deuxième gaz, c'est le méthane. Le méthane, c'est quand les vaches ruminent. Là, effectivement, le méthane est un gaz plus réchauffant encore que le gaz carbonique et c'est la deuxième contribution mondiale au réchauffement climatique. Alors là, il faut être honnête, ce n'est pas tant les élevages du Massif central, ni même les éleveurs bretons, mais c'est surtout les grands ranchs d'élevage Brésil, Argentine, ou alors les vaches sacrées en Inde, qui, vous savez que l'Inde est le premier producteur mondial de lait au monde, mais la production de lait n'est que de 2 à 3 litres de lait par vache, donc ça fait peu de litres de lait par humaine, ça fait beaucoup de méthane par litre de lait, et c'est surtout, j'allais dire, dans ces deux catégories de pays que l'on pourrait assez facilement réduire les émissions de gaz à effet de serre, assez facilement, j'entends sur le plan technique. Parce que dire aux vaches sacrées de produire soit davantage de lait ou d'être maniées autrement, ça c'est effectivement peut-être sans doute beaucoup plus difficile. Et puis un gaz dont on parle très peu, qui est le troisième à l'échelle mondiale dans la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, mais qui est le premier dans les pays industriels et en particulier en France, c'est le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote en France représente plus de 51% de la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique global et au dérèglement. Et là, c'est un gaz qui est émis quand on épand des engrais azotés de synthèse. Donc ça ne concerne pas l'élevage, ça concerne plutôt l'agriculture. Et là, très clairement, le plus facile, techniquement parlant, en France, pour réduire la contribution de notre alimentation au réchauffement climatique, ce serait de ne plus mettre d'engrais azotés de synthèse, de remplacer cette fertilisation chimique par une fertilisation biologique, via des plantes qu'on appelle de l'ordre des légumineuses, qui permettent de nourrir des ruminants, qui permettent de nourrir des cochons et des volailles, qui nous éviteraient d'importer du soja en provenance du Brésil, qui nous éviteraient de la déforestation au Brésil et qui nous éviteraient en France les épandages d'engrais azotés de synthèse et ces émissions de protoxyde d'azote.